téléphone. C'est ce que j'arrête pas de te dire. Oui, maman. Maman, pas ce week-end, je t'en prie. C'est très important pour moi. Je viendrai avec toi tous les week-ends si tu veux, mais laisse-moi celui-là. Il y a la soirée chez Greg et... Pas dispo ce week-end, c'est ça? Fais chier, putain! Si tu veux, j'irai parler à Nathan, je lui expliquerai tout. Non mais depuis que tant qu'on cherche, de l'occasion ou jamais. Niveau timing, c'était parfait. Parfait. C'est vraiment la grosse merde. En plus, passer mon week-end à m'occuper d'un vieux avec mon frangin sur les bras, mais... Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Courage, ma poule. C'est à qui? Ta mère. Oh, salut Manon. Toujours aussi craquante. Décidément, commence à en prendre, hein. Un vrai Don Juan. Bon, maman rentre pas ce week-end, donc on va devoir s'occuper de papy à sa place. On part demain matin. Ouais, super! Je vais préparer mes affaires. On est arrivé, donc deux choses. La première, c'est que tu écoutes tout ce que je dis parce que je veux pas avoir de problème avec maman, donc t'es sage, s'il te plaît. La seconde, c'est que vraiment dans la période où papy parle beaucoup de ses soi-disant histoires fantastiques, donc ne rentre pas dans son jeu et n'alimente pas la discussion dans son sens. Je me suis bien faite comprendre? Ok, sister. Allez, Don Juan, on prend les courses. Ça fait plaisir de te voir, papy. On se voit pas souvent, alors on va en profiter pour se retrouver un peu tous les trois. Ha! Papy, Mathis a 9 ans. Si maman apprend ça, il boit du lait grenadine d'habitude. Je vais lui en préparer. Du lait grenadine?
Tiens bon, c'est seulement une histoire de deux jours. Et il y avait un grand requin blanc dans les filets. Si je te le dis, une fois le filet ouvert, le monstre de 6 mètres de long est tombé sur le pont du bateau. Le requin était tellement gros qu'il a fait tanguer le bateau de bâbord à tribord. Mon père a combattu la bête pendant plusieurs heures à coups de machette sur le chalut. Au final, il l'a tué. Mais il a gardé une énorme cicatrice sur l'avant-bras. Il y avait du sang partout sur le pont du bateau. C'était terrible de voir ça. T'as pas eu peur, toi ? Oh, si. J'avais ton âge. Je me cachais au fond de la cabine de pilotage. D'ailleurs, j'ai gardé un souvenir de cet épisode ici. Je sors prendre l'air. Elle devait rencontrer son date ce week-end. À cause de nous, elle verra pas son crush et du coup, elle nous en veut un peu. Waouh, mais elle est magnifique! C'est mon père qui l'a sculpté. Pour tuer des baleines? Non, non, pour tuer des sirènes. Des sirènes? Ça n'existe pas. Ah si, ça existe, les sirènes. Tu en as vu? Moi non, mais mon père, oui. Il n'était pas du genre à raconter des histoires, tu sais. Mais c'est gentil, une sirène. Oh non, ne crois pas ça. Elle tue les hommes. Elle les attire, les paralyse. Et une fois dans l'eau, elle leur arrache les tripes pour y insérer leur œuf. Papy, non, mais n'importe quoi. Arrête avec tes histoires à dormir debout. Mathis va faire des cauchemars cette nuit, c'est pas toi qui va le calmer. Allez, viens. Mathis, tu te souviens ce que je t'ai dit sur les sirènes ? Oui, pourquoi ? Tu mettras ça dans tes oreilles, comme ça tu ne risques rien. C'est quoi ? C'est des bouclières. Le chant des sirènes ne pourra pas t'atteindre avec ça. Mélanie, elle, est une femme. Elle ne risque rien. Mais toi, on est au bord de l'eau. On ne sait jamais. Un homme averti en vaut deux. Moi, tu sais, je suis sourd. Je risque rien. La plupart du temps, je lis sur les lèvres. Qu'est-ce que vous mijotez tous les deux ? Rien.
Ferme bien la porte, il y a demain. Tu sais, Mathis, faut pas m'en vouloir. Je veux juste pas que papy te monte la tête avec ses histoires. Il m'a raconté la même chose quand j'étais gamine et je sais ce que ça fait. J'adorais quand il me racontait toutes ces histoires incroyables. Mais après, quand tu grandis, tu te rends compte que tout ça, c'est du faux et tu es déçue. Je vais t'épargner ça. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est pour pas entendre les sirènes. Mathis, crois-moi, papy n'a jamais eu toute sa tête. Faut que tu grandisses un peu. Donne-moi ça. Bon, reste avec tes BD. Je vais passer un coup de fil. Ouais, Mel. Allô. Ouais, mais... Mami, ça craint. Comment ça, ça craint? J'ai parlé à Nathan en début de soirée et il m'a demandé pourquoi t'étais pas là. Alors je lui ai dit où tu étais. Hein. J'ai essayé de te mettre en valeur en mode elle s'occupe de son grand-père grabataire, tu vois. Quand il a su ça, il a pris un air contrarié. Mais pas aussi contrarié que moi devant les cocktails. Ah, bah tiens. Voilà, merci, c'est gentil. Depuis, je l'ai plus revu, enfin. Oh, salut. Salut, Ben. Au fait, t'as le bonjour de Ben. Alicia, justement, c'est pour ça que je t'ai appelée. Je l'ai pas vue de la soirée, je suis désolée. Oh, merde. Nathan ? Salut. Désolée, je voulais pas te faire peur. Non. Quand Manon m'a dit que tu serais pas là ce week-end, je me suis dit que j'avais plus rien à faire dans cette soirée. J'ai téléphoné à Greg qui m'a dit où habiter ton grand-père. Du coup, je suis là. Je me suis dit qu'un peu de compagnie, ça ferait plaisir. C'est sûr qu'ici, niveau ambiance, entre mon grand-père et mon petit frère, j'ai connu mieux. Ça craint pas si je reste un peu avec toi ce soir? Non, mon grand-père est au lit et mon petit frère... Attends, il faut que j'aille le coucher. Ok. Allez Mathis, faut aller se coucher maintenant. Non, laisse-moi regarder la fin du film, s'il te plaît. Bon, pas longtemps alors. Je reviens dans quelques minutes. Je vais faire un tour dehors. C'est la fin de l'Ouest telle qu'on l'a connue. Je connaissais pas cet endroit. C'est le quartier des vieilles cabanes de pêcheurs. C'est là où finissent tous les marins qui n'ont pas de quoi se payer une belle maison. Mon grand-père, il a passé sa vie à travailler sur des chaluts. Et à dépenser le peu d'argent qu'il gagnait pour nourrir sa famille. Et à mettre toute son énergie à raconter des tas d'histoires abracadabrantes pour se vanter. Je crois que je t'ai bien résumé le personnage. T'es dur avec lui? Non, je l'aime beaucoup. C'est juste que j'en veux de raconter des tas d'histoires auxquelles j'ai cru longtemps et auxquelles mon frère lui croit, je pense. Il vient d'une autre époque? Ouais, en fait, quand t'es enfant, ça va, c'est chouette de croire à tout ce qu'il raconte. Mais après, quand tu grandis, tu te rends compte que tu peux pas parler sérieusement avec lui. C'est ça qui saoule. Content d'être là. C'est la première fois qu'on peut vraiment se parler seul à seul. Ouais, faut dire que t'es pas mal entouré. Et pas que par des potes. Ashley, Julie, Alicia,
Oui, mais elle ne m'intéresse pas, ces filles. Ah oui ? Oui. Attends, je vais coucher mon petit frère. Ça me semble plus prudent de passer aux choses sérieuses. Ok. Tu m'en veux pas ? Mais je veux rien laisser au hasard. Non, non, t'inquiète. N'oublie pas qu'avec les filles, c'est toujours compliqué. Ma pauvre Mel, t'as failli y croire. Papy, debout! Papy, au secours! Papy, réveille-toi! Papy!
maman. Regarde. Jésus, Marie-Joseph.